musée, mais du théâtre, on part au musée, Patrice, non. On va parler du musée Mayol. Non, parce qu'on plaisante, voilà, de temps en temps. On dit des choses pendant les jingles. On fait des blagues. Je dirais pas ce que donc... j'ai dit. Non. Alors, on parlait de quoi? Du musée Mayol. Oui, c'est l'arrondissement de Paris. Moi, je vous conseille le détour. Parce que le musée s'est mis à l'heure du pop art avec, voilà, c'est-à-dire que le prestigieux musée Whitney de New York prête 60 œuvres au musée Mayol, 60 œuvres dont ce Tom Weselman intitulé Great American Nude qui date de 1964. Excellente année, excellent truc. L'expo raconte une Amérique entre consommation et politique. Le jour, anniversaire. Rejet du puritanisme WASP, White Anglo-Saxon Protestant, et guerre du Vietnam. Il y aura aussi des toiles, pour ceux que ça intéresse, évidemment, de Roy Lichtenstein, Olivia, ou encore de Robert Rauschenberg. Hein, et on en parlerait peut-être dans Télématin, on verra. Dans Match, regardez cette photo. On y voit Jacques Chirac, ça vous l'avez reconnu, à droite et à gauche, un dénommé Daniel Lecomte. Les deux hommes se sont rencontrés en 1972 dans la Creuse. Et depuis, l'homme de gauche, enfin qui est à gauche sur la photo, Daniel Lecomte, a fait toute sa carrière, toute sa vie dans l'ombre de Jacques Chirac. Et puis en juillet dernier, il meurt d'une crise cardiaque. Mais il venait de terminer un récit à Arnaud Ardoin, notre confrère de la chaîne parlementaire, qui publie donc ce livre, Président, la nuit vient de tomber. Alors mais le livre. Ça fait mal. Voilà. Et c'est la réponse de Chirac, je crois. C'est, voilà, c'est la, quand M. Lecomte dit à M. Chirac, Président, la nuit vient de tomber, Chirac, grosse vanne, j'espère qu'elle ne s'est pas fait mal. Voilà. Bon. C'était son humour. Alors le livre, c'est le récit d'un demi-siècle d'amitié, voire de dévotion, d'un homme qui a passé les trois dernières années de sa vie au chevet de Jacques Chirac pour finalement partir avant lui. Et alors les passages les plus affriolants, évidemment, racontent l'homme à femme. Alors je cite, des femmes que Jacques Chirac chevauche sans plus de préliminaires, parce que le temps presse, parce que la quantité a pris l'ascendant sur la qualité. Je me souviens d'un voyage à La Réunion au cours de son septennat. Une femme l'aborde et lui demande une dédicace pour l'un de ses livres qu'elle tient à la main. Le président s'approche. Elles sont députées, ministres, conseillères, bourgeoises provinciales ou même inconnues qu'on lui apporte sur un plateau. Je n'ai fait là que citer ce que vous lirez dans Match, qui publie de larges extraits du livre. Donc, Président, la nuit vient de tomber au Cherche-Midi. Alors, pour terminer, réponse photo et les analyses critiques de la rédaction. Vous envoyez votre photo, on vous dit c'est bien, mais ça pourrait être mieux. Regardez cette photo. Alors, ce qui est bien dans cette photo, ce sont les poses pleines de grâce. Elle a été prise à Delhi, en Inde. Et puis, ce qui est un petit peu moins bien, c'est, regardez, il y a une femme dans l'ombre. Eh oui. Mais voilà, mais elle n'est pas éclairée, c'est pour ça qu'on la voit mal. Et puis alors, les murs forment un entonnoir un peu gênant pour l'œil. D'où le recadrage proposé en bas à droite de cette photo. Merci beaucoup.